ici, on est à Quilhem, donc c'est une ferme familiale, c'est la troisième génération de producteurs de lait. Donc nous, on est spécialisés dans la transformation du lait en fromage. Donc on a quatre sortes de fromage, dont le petit nouveau, le Fort Louis. Nous avons été contactés par la ville pour créer une nouveauté, un fromage. Donc on avait un peu carte blanche, nous a donné l'idée de l'affiner à la bière, la coude carquoise. Comme tout fromage, donc, ça démarre par l'empressurage, donc pour faire coaguler le lait. Ensuite, c'est le découpage, donc c'est toujours pareil que tous les autres fromages. La particularité, c'est qu'après le moulage, et donc au moment du démoulage, on le trempe dans la bière une journée, et ensuite on le lave, mais vraiment bien lavé, trempé dans la bière, pendant tout son affinage, donc trois fois par semaine. Passionné par notre métier d'éleveur avant tout. Et les vaches, c'est vrai que c'est notre outil de travail, mais c'est aussi nos compagnons de tous les jours. On les bichonne. Si on les soigne bien, elles nous le rendent en nous donnant du bon lait. Et puis on aime bien les voir pâturer dans les prairies et puis être heureuses. On a déjà un partenariat avec la ville de Coutières que pour les paniers garnis ou pour les personnes âgées ou pour d'autres événements. Donc les lieux de vente, ce sera ici à la ferme et ensuite dans les magasins du Dunkerquois. Donc on va essayer d'abord de privilégier Coutières avec l'Intermarché, peut-être Cora et d'autres magasins de Coutières qui seraient intéressés. Il est super bon le Fort Louis.